séquence-là parce qu'elle est, elle est fantastique. Et il va y avoir évidemment de très très grands noms qui vont se succéder. Gérald Bouscarel, un livre notamment sur Pierre Seyant. Merci. Merci Palais à tous les anciens qui ont honoré le président aujourd'hui. Je vais leur demander de me rejoindre. Fred Fautou, Antoine Rigaudot, Thierry Gadou, Dragan Lukowski, Jackie Copper, Christian Ortega, Paul Anderson, René Ludo Vatti, Jean-Noël Perpère, Fred Moncade, Jean-Luc Deganis, Frédéric Hufnagel, Frédéric Sarr et Claude Bergeau. Ah, il y a du beau monde, Fred. Il y a vraiment, vraiment du beau monde. On rappelle que c'est un club qui a remporté 9 fois le titre de champion. Le dernier, c'était en 2004. C'était un back-to-back d'ailleurs. Ils avaient fait 2003-2004, les Palois. Il y a 3 Coupes de France. Il y a une Coupe Corach. Il y a, voilà, il y a un club, l'un des plus grands clubs du basket français, pour ne se mettre personne à dos, l'un des plus grands clubs du basket français. Il vaut mieux parce qu'en plus, ils affrontent un autre des plus grands clubs du basket français. Ah, mais évidemment, ce sont deux monuments de notre basket qui s'affrontent aujourd'hui. Et profitez de cette émotion-là parce que le Prési, Pierre Seyant, est à l'honneur aujourd'hui avant ce 111e classico. Prési, le palais est aujourd'hui, comme tu l'as toujours aimé, en feu et en liesse, prêt à s'enflammer et peut-être, on l'espère, à chanter. Comble aussi, comme au plus beau jour, ceux dont des décennies durant tu as été le garant. Le palais s'est encore aujourd'hui habillé de quelques-uns des talents dont tu as toujours su t'entourer pour gravir les sommets, pour remplir l'armoire des trophées, pour garnir les mémoires à jamais, pour ravir les loges et les gradins, pour conjuguer la gloire au rythme de tes victoires. Et puis, le palais aujourd'hui, il accueille un classico, le classico 111e du nom. Si j'ai bien compté, tu en as été l'acteur, oserais-je dire l'agitateur, de 85 éditions. Mais l'on sait bien, nous tous ici, que tous ont eu pour toi la même odeur, engendrer la même passion. Aujourd'hui, enfin, dans ce palais, en habit de gala, le temps va s'arrêter un instant. Le temps que le peuple de l'élan ici présent, que tes proches qui ont accompagné ce long chemin et dont tu t'es entouré aujourd'hui, que ces glorieux anciens qui tous ici furent souverains, qui tous ont posé une pierre pour bâtir ta légende, oui, le temps que d'une même et seule voix, à l'unisson, disent qu'aujourd'hui comme hier, qu'hier comme demain, ce nom, Pierre Seyant, résonnera à jamais comme celui de l'élan, celui d'un très, très grand président. Applaudissements, merci beaucoup. Les mots sont choisis, les mots sont forts. Fred, c'est une vraie, vraie séquence émotion. Gérard Bouscarel, ancien directeur sportif de l'élan, qui a été reconverti en speaker, hein, passionné ici, qui a fait vivre cette ambiance au palais, a choisi ses mots, a pesé ses mots. Ils sont forts, ils sont émouvants, évidemment, parce que ce président-là est irremplaçable de toute façon. J'étais très ému d'abord de voir arriver certains joueurs qui étaient partis d'ici et loin, comme Lukowski qui est venu de Yougoslavie, de Serbie plutôt,
Rigaudot qui est venu d'Espagne, bon, Freddy Fautou qui est venu de Lyon, mais d'autres. Et puis il y avait aussi ceux de la première lame, j'allais dire première vague, c'est d'Orthez. Et il y avait dans les pages Perpère et compagnie, et puis il y a eu plusieurs générations qui se sont succédées. Bon, ils ne sont pas tous là parce que ce n'était pas possible, mais il y a Freddy Flaguet, Mathieu Bisseni sont là aussi, les frères Gadou. Donc ça a été plus qu'une surprise, oui, ça a été beaucoup d'émotions. Et puis l'histoire du parquet aussi, ça, celle-là, je ne l'avais pas vu venir. Hein. Je savais qu'il y aurait des anciens, mais pas lesquels. Mais voilà, ce soir, c'est une émotion forte.